la récré est terminée, place aux choses sérieuses maintenant. On remet le nez dans ses devoirs avec le clan burkinabé qui écoute attentivement les derniers conseils de son président de fédération. Pour vous encourager, vous avez la chance d'avoir le maillot, il faut vous battre. Nous avons au moins besoin d'un maillot pour offrir à notre peuple. Ça fait 25 ans que le tour existe, un quart de siècle, mais ça fait bientôt un bout de temps que nous n'arrivons pas à remporter réellement un maillot pour le Burkina Faso. Les cyclistes burkinabés doivent travailler comme un seul homme. Il n'est pas question de chercher à gagner individuellement. Il faut travailler pour celui qui a plus de points, celui qui a plus, qui a un meilleur temps. C'est l'objectif, c'est ce que nous avons dit et c'est respecté. Rasta, qui est Rasta? C'est parti pour 74 km de course, direction Zorgo. Une courte distance qui ne va laisser aucun répit aux coureurs. D'ailleurs, très rapidement, les choses s'emballent. Les premiers kilomètres vivent de multiples attaques, chacun tentant une échappée. Mais ces attaques seront finalement avortées. Pendant près de 38 km, le peloton va rester groupé. Mais à l'entrée de Coupéla, le maillot rose produit une accélération normale. L'Algérien Alpelasset Anaché a en ligne de mire le seul sprint intermédiaire de cette étape à Coupéla. Un peu plus loin, mauvaise surprise pour Anaché, victime d'une crevaison. Mais le Fennec va repartir. Crevaison également pour le Burkinabé, Rassmane Ouedraogo, qui va très vite voir trois de ses coéquipiers revenir en arrière pour le ramener dans le peloton. Voilà, la solidarité burkinabé est en marche. Elle va d'ailleurs se confirmer quelques kilomètres plus tard. Avec le maillot jaune, Amidou Zidueba qui peine. Tout de suite, le dossard 10, Amidou Gameyogo, vient le soutenir. Le voyant peiner de plus belle, Gameyogo décide de partir et d'accélérer afin de booster le maillot jaune qui a également eu le soutien de trois autres coéquipiers derrière. Voyant la fougue de Amidou Gameyogo, Zidueba trouve des forces pour prendre ses responsabilités. À 20 km de l'arrivée, c'est un groupe compact qui se dirige vers Zorgo. Le peloton est groupé. Deux hommes attaquent néanmoins et prennent la poudre d'escampette. Le plus résistant des deux sera Book Kuiper. Le Néerlandais est loin devant, seul au monde. Il faut dire que depuis le démarrage de cette édition, ce sont les Africains qui ont joué les premiers rôles. À 4 km de l'arrivée, il compte 25 secondes d'avance sur le reste du peloton. Va-t-il les conserver ? Suspense, car la victoire se joue au sprint. Un sprint remporté par Julien Tomassi de l'équipe d'Alsace. Première victoire d'étape pour l'Alsace.
et le maillot jaune reste sur les épaules de Amidou Zidouéba. Il s'appelle Zidouéba Bamba Amidou. Mais c'est un espoir.